Adam's Family Game. Ça, je l'ai pas dans ma collection. Mais où est-ce qu'elle est passée? Ben ça alors! Oh, c'est incroyable! J'en reviens pas. Donne-moi ça. J'ai pas rêvé pourtant! Oh, mais elle est là! Incroyable! Petite fille! Petite fille! Petite fille! C'est pas vrai! Non, mais j'ai rêvé ou quoi? Je crois que je tourne plus rond du tout, moi. Ben non, elle est pas là nulle part, je comprends pas. J'ai dû rêver. Je crois que je dois avoir des hallucinations. C'est pas possible autrement, je dois... Je vois des petites filles qui font des bulles à ma fenêtre maintenant. Non, mais ça va pas du tout, hein. Là, je crois que je vais appeler le docteur des Mojouets parce que je me sens pas bien du tout, hein. Alors, c'est quoi, docteur des Mojouets? Ah, oui, c'est là. Docteur? Oui, allô, docteur des Mojouets, j'écoute. Docteur, oui, c'est Mélanie. Écoutez, j'ai une hallucination, mais incroyable. Figurez-vous que j'ai vu passer à ma fenêtre une petite fille inconnue qui faisait des bulles. Oh, je dois avoir une fièvre colossale, je sais pas ce qui se passe. Oh, non, non, mais ne vous inquiétez pas, tout est normal. Passez donc à mon cabinet, je vais tout vous expliquer. Oh, merci beaucoup, docteur. J'arrive tout de suite. Bienvenue, alors, docteur. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un état, je sais que vous allez me prendre pour une folle, mm-hmm. Ça c'est clair, mais je vous jure, docteur, c'est je fait, vous c'est jure fait. Que j'ai vu à travers mes fenêtres une petite fille qui faisait des bulles et qui rigolait. Je vous le jure, docteur, croyez-moi, je vous en mais supplie. Je vous crois. Elle était blonde, cette petite fille? Oui. Mm-hmm. Est-ce qu'elle avait des couettes? Oui. Mm-hmm. Avait-elle par hasard un haut avec un motif à bulles dessiné? Mais oui, docteur, comment vous savez ça? Ben écoutez, regardez, je vous présente, hein. Oh oui, 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 ma petite Brigitte. Mais vous savez que c'est la même enfant qui était derrière mes fenêtres? Ah, ben oui, mais c'est mon prototype, en fait, c'est... Bon, je fais, hein, vous savez, je suis docteur en enfantillage, mais... à mes temps perdus, comme ça, je crée également, je confectionne des enfants. Incroyable, mais c'est... Ah oui. Elle est passée vous voir, donc. Ah oui, absolument, elle faisait... Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de ne pas déranger les gens comme ça avec tes bulles. Mais elle faisait des bulles. C'est incroyable. Ah, mais c'est sa spécificité. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous voulez vous amuser un petit peu avec... Oh, ben écoutez, ce n'est pas de refus. Je crois qu'on pourrait faire un petit challenge avec... Ah, ben ce n'est pas de refus! Oui! Tu serais d'accord pour faire un petit challenge avec eux? Hein? Bon, je crois qu'elle est d'accord. Hein? Oh, ben c'est rigolo! Donc, ça. En fait, je pense que le plus simple, c'est de voir laquelle d'entre vous deux va faire la plus grosse bulle. Oh, comme c'est intelligent! C'est mal, oui, c'est rigolo, ça m'amuse. Mais peut-être je vous dire, savez, moi, vous je savez là. Souffler les bulles, non? Vous aussi, non? Ben écoutez, j'ai une petite expérience de bulleuse. Hein, je bulle assez souvent, j'aime beaucoup buller, donc ça devrait plutôt bien se passer. Bon, ok, allez, 1, 2, 3, c'est parti, je vais chercher le matériel. Voilà, donc j'ai ramené mon matériel. Alors donc, Mélanie, il faut que je vous explique quand même comment fonctionne Brigitte. C'est absolument, très simple. Docteur, je vous écoute. Eh oui, donc c'est très simple. Regardez, bon, excusez, hein, je suis obligé de montrer les fesses de ma Brigitte. Oh là là, elle n'a pas de culotte, Brigitte. Non, mais j'ai pas encore confectionné tous les vêtements. Hein, mais bon, toujours est-il que j'ai un petit bouton. Oui. Vous voyez, hein, ici, j'ai un petit bouton. Hop, je presse le petit bouton, je pousse. Oh, il y a un bruit. Et là, elle est... Ah, elle me fait du vent dans les cheveux, c'est rigolo. Elle vous souffle. Ouais. Elle a un souffle de vent qui jaillit. Ah ouais, c'est marrant. Hein, tout le temps. Voilà. Et donc, c'est ça son secret. C'est le secret que j'ai réussi à faire pour notre petite Brigitte. D'accord, là, ok. Donc, qui lui permet de faire des bulles. De faire des bulles. Je vais vous montrer déjà pour une bulle un peu. Hein, comment. Allez, je vous la tiens, hein, parce que oui, faut pas qu'elle s'en aille. Elle est un petit peu fatiguée, elle aurait tendance à vouloir...
se coucher. Hein. Regardez, bah, tenez, je vais vous montrer là, de plus près. Et hop, quand on approche, bah, oh, bah, j'ai pas mis assez de produits. Oui, des fois, c'est... Hein. Alors, quand on approche l'objet de la bouche de Brigitte, eh ben, j'ai pas mis de produit. Ah ben si, elle souffle bien, qu'est-ce qui se passe, Brigitte, alors? C'est, ah oui, c'est, non, mais des fois, il y a des... Bah, il y a des, hein, enfants qui veulent et qui veulent pas, après, hein, c'est toujours pareil. Voilà, allez, vas-y, Brigitte, souffle, oh, la Brigitte, belle bulle, oh, la belle bulle. Vous l'avez vu, hein? Ah oui, ah oui, ah, elle, ça, voilà, oui, 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 on sent que... Non, elle, on sent qu'elle est... Elle, hein, elle fait des bulles depuis, hein, oui, elle fait bien des bulles, ah oui. Elle fait bien des bulles, donc... Ce que je vous propose, Mélanie, bah, c'est qu'on fasse le challenge maintenant. Le challenge, c'est entre vous et elle, d'accord, qui fera la plus grosse bulle. Ah oui, c'est pas évident ça. Ah oui, mettez-vous votre bouton. Mon bouton. Ah, ah bah... Vous êtes un sacré rigolo, docteur des mots. C'était une boutade. Vous êtes un sacré rigolo. Vous savez qu'on vous aime beaucoup, hein, dans la famille. Hein. Vous êtes notre docteur de famille, ah, depuis, bah, oui, tellement, oui, d'années. On... Vraiment, on est attachés à vous. Hein. Alors, donc, top départ. Comme une moule à son rocher. Le premier coup. Ouh là 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 là. Pas mal, non? Mais là, je crains que Brigitte ne, ah, Brigitte, puisse... Quoi qu'elle a fait des fois des petites merveilles. Hein. Ouais. Alors, ma Brigitte, vous êtes prête? On y va, c'est parti, à votre tour. Vous allez lui en mettre plein la vue, hein, Mélanie. Hein. Ça m'étonnerait. Alors, allez-y, Brigitte. Allez, Brigitte, un effort, voyons. Oh, 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 plus grosse que la mienne! Incroyable! Ouais, bravo, Brigitte! Je crois pas. Un point pour Brigitte. Un, ouais, point pour Brigitte, quand même, faut le dire. Ah, ah. Pas mal. Oh là 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 là, c'est pas mal, mais quand même, Brigitte est nettement devant, on peut le dire, on peut le dire. Alors, attendez, moi je propose de la mettre de profil. Oui. Comme ça, nos amis, oui, s'il y en a qui nous regardent, pourront, hein, voir la bulle, pourront juger demain. De, alors, la taille de la bulle. Alors, je vous mets. Ah. Brigitte, mais c'est quoi cette bulle, voyons. Bon, bah, écoutez, là, c'est un échec sur cette bulle-là. Ouais. Donc, deuxième coup raté pour Brigitte. Ah, c'est... Oh là là, regardez, Brigitte, mais... Un point pour moi, alors. Bon. Deux points pour moi. Deux points, un point. Non, il y a eu un point elle, un point moi. Donc, voilà, maintenant, on va voir qui de, oui, nous deux... Qui de nous... Dernière manche, qui de vous deux, alors, allez remporter, allez, cette partie. Allez, Brigitte. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas... Mieux que moi. Mieux que moi, incroyable. Énorme, énorme, Brigitte. Deux points pour Brigitte. Donc, Brigitte, bravo. Oui, Brigitte qui a gagné, vous avez vu. Donc, c'est quand même, somme toute, une belle création. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut s'envoyer les bulles l'une à l'autre, ben, est-ce qu'on peut faire des choses comme on ça peut avec tenter Brigitte le truc. Ouais, vous l'avez jamais tenté, en fait, jamais c'est tenté, ça. Non, non, moi, je alors, je peux essayer, pas, j'ai que deux bras. Je vais essayer de lui, attends, envoyer une bulle. Oui, je vais voir si... Alors, Brigitte, vous avez compris le jeu, hein, vous devez renvoyer la bulle à Mélanie. Oh, oh, là, 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 hop, là, là, oui, 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 allez, hop, 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 oui, hey, ouais, bravo, un échange. Un échange de bulles, ah. Là, par contre, j'ai l'impression qu'elle a du mal à les envoyer, les bulles, non? À les envoyer, oui, ah, c'est-à-dire à me les faire parvenir. Ah moi, oui, bah écoutez, Mélanie, c'est somme toute un prototype c'est là. Hein, ce n'est pas encore parfait, bah j'ai encore non, quelques bah oui, petits réglages. Il y a toujours des choses à améliorer. Hein. Oui, oui, j'ai encore des petits réglages à faire, mais je suis très confiant sur le fait que très vite, d'abord, elle va apprendre de ses erreurs. Bien sûr. Et elle parviendra très clairement à envoyer des trompes de bulles. Et ainsi, nous pourrons faire un challenge. Je t'envoie des une bulle, battles, tu m'envoies une bulle, etc. Des battles, bon, oui, c'est déjà pas mal, elle fait des bulles. Est-ce que vous pourriez nous inventer une poupée qui ferait des bulles, mmh, qui ferait caca, qui ferait pipi, mmh, Est-ce que ça serait possible d'avoir tout ce medley, toute cette possibilité-là? Je n'ai jamais pensé. Et qu'il fasse des proutes aussi, bien évidemment. Mais est-ce dire, que, il n'a pas de caca sans prout. Hein. Mais des bulles qui des bulles caca? Non, des bulles comme ça, ah, là, c'est-à-dire qu'on rajouterait les options, vous voyez. Ah oui, bah, alors c'est envisageable, ce ne sera pas une petite paire de manches, ça, manche, sera pas une masse, ça c'est masse à faire. Bah hein, oui, quand même, je comprends, hein, docteur. Bon, bah écoutez, je on attendra. Là, hein. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, je me le note. Vous, je le garde dans un coin de ma tête. Et dès que je... Dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresserait d'avoir une
poupée comme ça qui ait toutes les options. Oui. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Pipi, caca, bobo, bah oui. Qui chante, qui parle, qui envoie les bulles, qui danse. Ah, qui chante, qui parle et qui... Enfin, oui, voilà, ça, oui. Tout est possible. C'est vrai que vous êtes vous avez une créativité, docteur, on ne vous arrête plus. Hein. Après, en tout cas, je me suis noté dans la tête et voilà. C'est la technologie qui vous arrête, forcément, mais c'est vrai qu'au niveau de la créativité, vous êtes très... Alors, je vous remercie, docteur. Ah bah, c'était un plaisir. Et je vous embrasse. Ah, à la prochaine, bah, comme on dit. À la prochaine. Hein, j'espère. N'hésitez pas. On reverra bientôt. Vous avez un souci. Hein. Sans problème. Je serai... À bientôt, Mélanie, à bientôt. Ah, Brigitte, c'était une... Hein, une belle partie hein, que vous avez fait là, quand même. Hein. Mais, je me pose une question. Comment avez-vous fait Brigitte pour sortir de mon cabinet et vous rendre à la fenêtre de Madame Mélanie? Vous avez une idée, vous? Dites-le-moi dans les commentaires. Hein? Ciao, ciao!